Bonsoir, bonsoir tout le monde, soyez bienvenus euh, à un nouvel atelier, d'accord Aujourd'hui, c'est l'atelier ou concours de la dictée, d'accord C'est le taller ou concours de, de dictado, d'accord eh, alors, soyez bienvenus, bonsoir Giovanna, Miranda, Naira et Suzanne, bonsoir, vous allez comment Bonsoir. Bon, bonsoir Suzanne, bonsoir Suzanne, bonsoir euh, Miranda, excellent, alors, bienvenue, bienvenus, bienvenidas. Nuevamente à un Alors, hum, aujourd'hui, on va s'intéresser à euh, pratiquer, d'accord On va s'intéresser à pratiquer un peu la dictée, d'accord Parce que le français, oui, en effet, il y a, il y a des accents, il y a, n'est-ce pas, des, 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 des signes de ponctuation, les signes de ponctuation aussi, donc, c'est un peu complexe, d'accord? Mais on va commencer avec euh, un niveau débutant. On va commencer avec un niveau basique, d'accord? Et si possible, on va augmenter le niveau, d'accord? Si tout va bien, entonces on va subir un peu le niveau, d'accord? Avec le dicté. Alors, on va travailler... On peut travailler de deux façons. On peut travailler de deux formes. D'accord On peut travailler de deux façons. Alors, en ligne, d'accord En ligne, en ligne. Ou eh, si vous voulez, vous pouvez, eh, vous pouvez préparer une feuille séparée, d'accord Une feuille séparée, n'est-ce pas Une hoja separada. Et travailler là-dessus. Travailler là-dessus, non Écrire à main écrivez à main ou dans l'ordinateur sur le portable quand vous voulez vous pouvez en faire le, le cellulaire ou sur le, le cellulaire ou la compu dont vous voulez d'accord de toute façon la, la dynamique c'est simple d'accord alors la dynamique est très simple j'ai mis de la même façon une, une enquête d'accord un formulaire pour remplir quelle catégorie pour quelle catégorie on va commencer? D'accord? Con quelle catégorie on va commencer? Alors, j'ai mis culture, j'ai mis science, loisirs, langue française, art de vivre et société. D'accord? Pour l'instant, la langue française euh, gagne. D'accord? Donc, on peut pratiquer. Et voilà, on va commencer avec la langue française et ensuite, on peut passer peut-être à voir la culture, le loisir ou l'art de vivre, d'accord Mais on va commencer avec la langue française. Ok, vamos a comenzar con la lengua francesa, como catégorie. d'accord De dictée. Alors, et... De la même façon, je vais partager maintenant sur, dans le groupe de WhatsApp un lien, d'accord? Un lien, je vais compartir le groupe un enlace, d'accord? Le lien où on va travailler, d'accord? Alors, le lien s'appelle TV5 Monde, dicté TV5 Monde, d'accord? TV5 Monde est la cadena française à niveau mondial, d'accord? Incluso, nous Eh, en, eh, en nuestras eh, empresas, bueno, que ofrecen tv 5 no entonces hay, hay, hay un apartado de tv 5 mont donde dice dicté, no es para dicté justo arriba, no, dicté 5 eh, .com es, uh, esa es la, la página, ¿de acuerdo? donc il y a plusieurs dictés como vous pouvez regarder, como pueden ver il y a on va commencer avec le niveau débutant, d'accord? Ici, le niveau débutant. D'accord? OK. Débutant. Initial. D'accord? On peut augmenter le niveau, eh, mais on va regarder comment ça se passe avec le niveau 1-1, au niveau débutant, d'accord? Eh, Aquelles sont les catégories? Par exemple, il y a catégorie culture, science. Entretenimiento, ce sont les loisirs, n'est-ce pas? Loisirs, culture, etc. Donc, vous pouvez pratiquer de la même façon, ok? Mais de toute façon, oh, on va commencer aujourd'hui avec la catégorie langue française, d'accord? Donc, eh, la, la, la langue française, d'accord? La dynamique est simple, d'accord? A voir, quelle est la dynamique? Eh, Por ejemplo, como prueba, ¿de acuerdo? Como prueba, solo. ¿Quiénes van a trabajar en línea y quiénes en una hoja separada? Entre todos. Eh, Miranda, Naira U, Susana. Si, si foi ¿Se yo eh, separé U en línea. Soy séparé U en línea. ou Déborah aussi, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Déborah. Feuille séparée ou en ligne? Que préfèrent vous Feuille séparée ou en ligne? D'accord, excellent. Merci Miranda. Une feuille séparée, une hoja séparée. D'accord, ça fonctionne. Donc, tu dois m'envoyer la photo à la fin de la dictée. Maintenant, tu la photographie du dictée à final fin. D'accord? Donc WhatsApp sur un message privé, un message privé pour corriger. Et voilà, les personnes qui vont travailler en ligne, c'est plus simple. D'accord Par exemple, on va faire un, un, un bref exemple avec le plat, le plat pays. D'accord Le plat pays, voilà, ici. Et, ok, très bien. Alors, il y a le texte entier. Ici, on peut écouter l'intégralité de la dictée, mais on va, on va aller séquence par séquence. D'accord? Séquence par séquence. Secuencia par séquence. Son ce sont phrases pequeñas, donc ces séquences sont phrases pequeñas. D'accord? Qui vont faire un total. En ce cas, il y a trois. D'accord? Alors, on va entendre, on va écouter la première séquence. D'accord? C'est parti, par exemple. La Belgique est un petit pays. La Belgique est un petit pays de trente mille kilomètres carrés. De trente mille kilomètres carrés. Avec 11 millions d'habitants. Point. Voilà. Avec 11. Avec 11 millions d'habitants. Point. D'habitants. Voilà. C'est ça. N'est-ce pas? C'est la première séquence. C'est une phrase solo. D'accord? La Belgique est un pays de trente mille kilomètres carrés avec 11 millions d'habitants. D'accord? Première séquence. Travailler en ligne va être plus facile. Pourquoi? Parce que. Aquí están las respuestas mismas. ¿De acuerdo? Eh, entonces podemos verificar. ¿De acuerdo? Al, al final podemos poner OK. Um, entonces puede, podemos hacer una primera secuencia un, una segunda vez también. ¿Ok? Ahí, ahí, mejor. Exacto. Primera secuencia. La Bélgica es verificar. un pequeño país. Uh -huh. La Bélgica es un pequeño país. de trente mille kilomètres carrés, de trente mille kilomètres carrés, avec onze millions d'habitants. Point. Ok. Et point. Avec onze millions d'habitants. Point. Point, n'est-ce pas Voilà, c'est ça. Si pueden trabajar en línea, sería excelente y así los resultados los vamos a poner en el grupo mismo, porque ahí aparecen, digamos, sobre 20, sacaste 18, digamos, sobre 20, 19, etc. Entonces, como es un concurso, la persona que menos errores eh, cometa, pues excelente. Antes, sin embargo, avant de pasar a Ricardo de voy a compartir un poco de los posibles, el eh, signo de puntuación, ¿de acuerdo? les signes de ponctuation qui sont bien importants d'accord la ponctuation le point d'accord le point le point la virgule la coma les deux points los dos puntos <laughs> et les deux points le point virgule le point coma le point de suspension, les points suspensivos, le point d'interrogation, le signe d'intégration, ou le point d'exclamation. OK. Hay preguntas, des questions, doutes jusqu'à là? Non? Des questions? Avant de commencer avec la première séquence de la langue française, en effet. Non? hay preguntas, dudas? La Langue française, quatre personnes, oui. Ça marche. no, sino si no, eh, fue en una, en una hoja separada y me lo envían al, en, al privado y así lo corrijo de inmediato y tenemos nota también. D'accord. Comme vous voulez, comme vous D'accord. Donc vous êtes prêts. Estamos listos para comenzar. Bonsoir, Seba, Suzanne, Naira, Miranda. ¿Cómo va? Sí. Oui. OK. Très bien. Merci, Et Miranda. OK. On commence alors. On commence. On commence. Alors, euh, oui, c'était la, la catégorie gagnante était langue française, n'est-ce pas? Donc, simplement, il faut euh, chercher la catégorie. Et vous pouvez pratiquer de la même façon quand vous voulez avec ce... Euh, web. este sitio web, ¿de acuerdo? En este sitio web, voilà, la langue française mm, les mysteries, le mystère le mystère des aquarelles ¿ok? ok, très bien en principio entonces vamos a escuchar toda eh, todo el dictado no, no no hay problema alguno, un primer momento de solo escuchar ¿de acuerdo? después vamos a ir secuencia a secuencia D'accord, c'est parti. Une aquarelle, c'est un dessin avec de la peinture à l'eau. Une ondée, c'est une petite pluie. On entend plouf quand quelque chose tombe dans l'eau. Ok, ça va. Une fois encore, tout simplement pour reconnaître la dictée. Totalement pour reconnaître, Alors, je vais augmenter. Le son. Voilà. Une aquarelle, c'est un dessin avec de la peinture à l'eau. Une ondée, c'est une petite pluie. On entend plouf quand quelque chose tombe dans l'eau. Ok, très bien. Alors, on commence. C'est parti. La première séquence. D'accord N'oubliez pas, c'est pour un niveau 1-1, un niveau débutant, au niveau basique. <laughs> Donc, partie la première séquence voilà une aquarelle virgule une aquarelle virgule c'est un dessin c'est un dessin avec de la peinture à l'eau point avec de la peinture à l'eau. Point. Ok, première séquence prêt. On va écouter une deuxième fois, d'accord La séquence, la première séquence. C'est parti. Une aquarelle, virgule. Une aquarelle, virgule. C'est un dessin. C'est un dessin avec de la peinture à l'eau. Point. Avec de la peinture à l'eau. Point. Ok. Très bien. Hum... On continue. D'accord Avec la deuxième séquence. Attention parce qu'il n'y a que trois séquences très séquences. D'accord Donc, on va continuer avec la deuxième séquence. C'est parti. Une ondée, virgule. Une ondée, virgule. C'est une petite pluie. Point. C'est une petite pluie. Ok, deuxième séquence, ça marche. Deux secondes d'écoute, d'accord Seconde d'écoute. C'est parti. Séquence 2, c'est parti. Une ondée, virgule. Une ondée, virgule. C'est une petite pluie. Point. C'est une petite pluie. Ok, très bien, jusqu'à là. Et première séquence est déjà faite. Deuxième séquence, parfait. On va passer à la troisième séquence. On va passer à la troisième séquence. Et, et La séquence, et oui, la séquence 3. C'est parti. On entend. On entend. Ouvrez les guillemets, plouf, point d'exclamation, fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets, plouf, point d'exclamation, fermez les guillemets. Quand quelque chose. Quand quelque chose. Tombe dans l'eau, point final. Tombe dans l'eau, point final. Alors, euh, ouvrez le, gui, le guillemet, ouvrez les comillas, fermez le guillemet, serrez les comillas. D'accord Ouvrez et fermez le guillemet. D'accord Et le point, n'oubliez pas le point d'exclamation. D'accord Et le signe d'admiration. Le point d'exclamation. D'accord Et seconde écoute de la, de la troisième séquence. C'est parti. On entend. On entend. Ouvrez les guillemets. Plouf. Point d'exclamation. Fermez les guillemets. ouvrez les guillemets plouf point d'exclamation fermez les guillemets quand quelque chose quand quelque chose tombe dans l'eau point final tombe dans l'eau point final Ok, ça marche. Et finalement, on va entendre toute la dictée, d'accord toutes, toutes les textes, la dictée dans l'intégralité. C'est parti Une aquarelle, c'est un dessin avec de la peinture à l'eau. Une ondée, c'est une petite pluie. On entend plouf quand quelque chose tombe dans l'eau. <laughs> voilà est-ce que ça s'est bien passé la première dictée ça s'est bien passé qu'est-ce que vous dites de la même façon j'ai fait la dictée avec vous yo entonces alors vous pouvez peut-être m'envoyer vos réponses je peux corriger ou si vous voulez et... Si habéis trabajado en línea, entonces podéis poner OK, ¿de acuerdo? OK. Este es un segundo intento, pero sería este OK para verificar. ¿De acuerdo? Entonces, ¡a vos! Muy bien, bien. Han trabajado en línea y si lo han trabajado en línea igual lo pueden compartir en el grupo será excelente y no, on peut corriger ensemble si no, podemos trabajar juntos podemos trabajar juntos bonsoir Paola On vient de compléter la première dictée. Donc, euh... ça s'est bien passé Non Oui Très bien Non euh... Alors, on va travailler. Alors, on, on peut corriger ensemble, d'accord Parce que j'ai déjà la dictée, donc on va mettre en ligne, d'accord Donc... La première séquence. Une aquarelle, virgule. Une aquarelle, virgule. N'oubliez pas la, vir la virgule. C'est un dessin. C'est un dessin. C'est un dessin. Avec de la peinture à l'eau, point. Avec de la peinture à l'eau, point. À l'eau, n'est-ce pas? Ok, une aquarelle, c'est un dessin avec de la peinture à l'eau. La première séquence. D'accord Ensuite, la deuxième séquence. Une ondée, virgule. Une ondée, virgule. C'est une petite pluie. Point. C'est une petite pluie. Le point, n'oubliez pas le point, d'accord? Le point. Une ondée, c'est une petite pluie. D'accord? Mmh, ok. Troisième séquence. Troisième séquence. On entend. On entend. On entend. Ouvrez les guillemets, plouf, point d'exclamation, fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets, plouf, point d'exclamation, fermez les guillemets. Mm -hmm. Quand quelque chose. Quand quelque chose... Tombe dans l'eau, point final. Tombe dans l'eau, point final. Tombe dans l'eau, n'est-ce pas? Tombe dans l'eau, point final. Le, le guillemet, ouvrez le guillemet, fermez le guillemet, point d'exclamation, d'accord Ok, c'est ça. Alors, on va vérifier ensemble et, et vous pouvez mettre OK. D'accord Vous pouvez mettre OK et là il va salir le résultat au final. Alors j'ai déjà mis OK. Euh, Corriger, voilà. C'était avec la, la majuscule, n'est-ce pas Plouf C'est plus simple de travailler en ligne. 20 sur 20. D'accord Une aquarelle, c'est un dessin avec de la peinture à l'eau. 5 fautes. Oui, 5 fautes à la fin. 5 erreurs. Et, mais plouf! Alors, euh, ouvrez le guillemet, ils ont. Ils sont là, ils sont là. Une ondée, c'est une petite pluie. Non? On entend, Escuchamos plouf, quand algo cae à agua. Quand quelque chose tombe dans l'eau. D'accord? Voilà, une ondée, c'est une petite pluie. Voilà. Est-ce que vous avez pu réussir? à faire la première dictée avant de passer à la deuxième dictée. Ça s'est bien passé Déborah, Miranda, Naira, Paola, Suzanne Oui ou pas trop Un peu difficile C'est entendu là la... super difficile. Ah d'accord, ok, ok. Difficile, ok. Oui, mais c'est pour un niveau 1-1. Attention, c'est pour un niveau 1-1. Je un peu tard, alors. Je me Pardon. Mm. Oui, de toute façon, on va continuer avec la dictée. Avec, on va continuer avec mm. une autre catégorie, oui, la langue française, mm. mais il y a loisirs, sciences, sociétés, pour un niveau 1-1. C'est le plus basique, d'accord Entonces, oui, merci. No olviden las secuencias, ¿de acuerdo? Va a haber como que cierta secuencia y tratemos de entenderlos, lo más. O si es necesario una tercera un tercer escucha, lo hacemos, no hay problema. Lo importante es identificar tres dos sonidos. ¿De acuerdo? ¿Suscara? ok, ok, c'était c'était seulement une, une première dictée. D'accord? Pas de souci. No hay problema. No le pase por un nivel debutante Es por un nivel inicial. Entonces, al menos algo eh, se puede rescatar. ¿no? Y lo pueden hacer en hoja, hoja separada. Me lo envían y lo corrijo súper rápido. O si no, lo podemos trabajar también en línea. He compartido el link y, para ir trabajando dictado a dictado. Ok, alors, deuxième dictée. On va passer à la deuxième dictée. D'accord. Euh, deuxième dictée. On change la catégorie ou on reste. con la misma categoría cambiamos. on change la langue française comme catégorie. Qu'est-ce que vous dites? Ah, oh, excellent, oui. Quelqu'un vient de m'envoyer, donc alors je vais corriger très rapidement. Ah, la Belgique est un petit pays de 3000 mille carrés avec 11 millions d'habitants. Oui, ça va. Mister, une aquarelle, c'est un des n'oubliez pas double S avec de la peinture. E peinture, d'accord. Allô, A l'accent, une ondée. L'accent de la c'est une petite pluie, Et pas avec le S, au final la E. Et on entend plus, d'accord, plus, c'est une onomatopoïne ici, talvez ça le complique un peu. Comme quelque chose tombe, oui, tombe avec le E à la fin, dans l'eau. Et c'est au final, dans l'eau, en el agua, dans l'eau, d'accord, quelque chose tombe dans l'eau, algo cae à l'eau. Donc, écoutons plouf quand algo cae à l'agua. Et ça va, Naira Ok, merci. Et quelqu'un a 14 points. Ça va de la même façon Excellent Oui, et uns n'est-ce pas Dessin, double S, peinture, halo, n'oubliez pas les accents. Une ondée, c'est une petite pluie. Oui, voilà, on entend, on, le verbe entendre, escuchar, d'accord On entend. Ok, entendre euh, quelque chose quand quelque chose tombe dans l'eau, donc ça va. C'est ça la dynamique, ok Donc merci Miranda, excellent, excellent travail et de la même façon Naira, ça va, ça marche. On va continuer, d'accord On va passer à la deuxième dictée maintenant. D'accord. Deuxième dictée. Quelle, quelle catégorie Alors, je vous aimerais bien écouter. Quelle, quelle catégorie a la On reste en... Oui, la langue française, le loisir, culture ou art de vivre. Non Art de vivre, loisir... Ou algo más básico. Eh, loisir. Ok, merci eh, Naira. Loisir. Donc, on va faire l'invitation. Alors, parmi ces deux, entre ces deux, qu'est-ce qu'on va Art de vivre. Alors, Loisir. Invitation au voyage immobile ou terre Acre e bal jaune. Habitación o voyage inmóvil. Una invitación a un viaje inmóvil. Un viaje, un viaje quieto. Para hablar de lectura, tal vez, por eso es un viaje estático. O vo uh, voyage inmóvil o terre acre e bal jaune. Eh, tierra a color acre y la bola, la bola color amarillo. A gauche, ¿no es? Para? A gauche. A gauche. ¿Ma gauche o ta gauche? ¿Mi izquierda o tu izquierda? Ma gauche. Ma gauche. D'accord. Donc, <coughs> ta gauche. C'est-à-dire invitación, ¿espa? Invitación. Oui, sí. Ça marche. Oui, ok. Très bien, Trillan, eh, Naira. Ok. Invitación. Au voyage inmóvil. Es una invitación a, a un viaje estático, ¿no? Inmóvil. Donc, ça indique probablement que c'est quelque chose de lecture. No? Alors, n'oubliez pas, une fois encore, euh, je vais partager le même lien dans le groupe de WhatsApp, d'accord Pour travailler le... la dictée. D'accord Les personnes qui vont travailler en ligne, vous pouvez le faire ou sur une, sur une feuille séparée de la même façon. Vous pouvez le partager dans le groupe de WhatsApp. Alors, on va entendre, on va entendre deux fois euh, la dictée dans l'intégralité, d'accord Donc c'est parti. Voyager, c'est découvrir des lieux inconnus. Mais il y a un autre voyage, le voyage par la pensée. Un rêve de voyage, c'est déjà un voyage. Ok, c'est parti. Deuxième écoute dans son intégralité de la dictée. C'est parti. Voyager, c'est découvrir des lieux inconnus. Mais il y a un autre voyage, le voyage par la pensée. Un rêve de voyage, c'est déjà un voyage. Oh, quel bel message, n'est-ce pas Quel beau message. Alors, attention, on vient d'entendre deux fois... Le, la dictée dans son intégralité. Alors, maintenant, on va commencer avec les trois séquences. séquences Il eh, y a trois séquences, toujours, et par lignes, et bien calmado non? Donc, pour ça, on va commencer. Mais avant de commencer, je veux relancer la réunion. D'accord? Parce que la réunion va se couper dans quelques minutes, dans quelques secondes, en fait. Je vais relancer la réunion et on se retrouve dans quelques secondes, d'accord? Parce qu'il nous manque une minute. Il n'y a qu'une minute disponible. Donc, euh, je vais relancer la réunion. C'est le même lien. C'est le même lien et c'est le même link. Et on se connecte à tout de suite, d'accord? Et on va commencer avec la première séquence de la deuxième écoute pardon de la deuxième dictée d'accord donc à tout à l'heure merci